Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui une live construction que je n'avais pas prévue étant donné que c'est une live construction dans celle que je viens de trouver. C'est tout simple, c'est une nouvelle gamme que vous ne connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être, c'est la gamme Skylander Giants donc par Megablocks et donc vous allez pouvoir voir la construction de l'embuscade du robot des trolls. Et je sens que ça a bien trollé dans cette vidéo, tiens. Bon, on va pas perdre du temps plus que ça. Et on va ouvrir la boîte. Alors, apparemment, il y a une ouverture facile. Voilà. Hein. Vous inquiétez pas, vraiment, là, la lumière ne devra pas être trop dégueu. Mais, ça, c'est l'ouverture facile, je ne connais pas. Hein. Il y a tout ça en gros, sachant qu'il y a les figurines là-dedans, donc on verra ça après. Est-ce que c'est les super sachets de Megablocks qu'on peut ouvrir? Non. Faut tirer comme un gros bourrin, c'est pas grave. Même s'il y en a un qui est déjà ouvert d'ailleurs. Bah oui, c'est très intelligent ça, tiens. Je vais laisser à côté celle-là parce qu'elles ont l'air un peu plus petites. Et ici, on va le sortir de son package. Bah, ok. Pourquoi ils ont rajouté deux hein? Je vais laisser de côté parce qu'elles ont pas l'air... Ça me semble un peu bizarre qu'elles soient à côté. Je crois que ça a surtout été rangé n'importe comment en fait. Voilà, d'accord. Je garde les figurines pour le moment hors caméra. On en parlera à la fin comme d'habitude. Alors, si je commence à paumer des pièces, ça ne va pas le faire. Excusez pour les pieds. Ça a l'air de... Oh. Ok. Ah, il y en a d'autres en plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir pas vu une pièce, mais c'est pas grave. J'avais oublié à quel point c'était chiant de construire chez Megablocks parce que le mode d'emploi est mal fichu. Alors ça c'est des nouveaux types de ball joints. D'ailleurs je tiens à préciser. Oh. Hop là. Donc ils ont l'air assez sympas. Mais plus résistants que les anciens en tous les cas. Alors, c'est parti pour la construction. Donc, on commence avec. Moi qui avais dit que ça prendrait 20 minutes, je crois que je me suis trompé. Même si on fait du bon gros x2, c'est génial. Je sais que vous adorez le x2 parce que c'est très intéressant, regardez. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon. Voilà. On va pousser ça comme ça, on va se mettre là. Et voilà. Donc on commence en faisant ceci, puis ceci, et logiquement on va placer ça sur les côtés. Donc on fait une forme en T, x2 donc. Voilà, on va faire les deux en même temps comme ça, on perdra moins de temps je suppose, j'espère, en tous les cas. Ensuite c'est ce genre de pièce là, avec des attaches sur les côtés. Je commence à parler comme Batman dans les années 60. Hein, Robin. Et j'ai oublié, d'ailleurs, dans la première étape, ça, oh, ça commence bien, tiens. Je la sens bien, cette construction. On va placer aussi au-dessus pour refermer le trou. Bon, c'est pas très grave, mais
si je commence à oublier des trucs à chaque étape, comme pour Transformer, enfin le Beast Blade Optimus là, ça va pas être marrant. Bon, voilà, donc on a fait nos petits trucs de snot, et ensuite on va prendre nos petits trucs, mais nos ball cups, quoi, en gros, les petites coupes avec le ball joint, enfin l'emplacement pour ball joint. Oh, ça fait clic en effet, oui. Et donc on a nos petites coupes en gros, hein, qu'on laisse là pour le moment et qu'on assemble grâce à ceci. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Robin. Il me semble d'ailleurs que je crois que Syndracosa, enfin les dragons de Megablocks, World of Warcraft utilise aussi ces pièces normalement, si je dis pas de bêtises. Mais étant donné que le Lich King coûte trop la peau des fesses, eh bien je ne l'achète pas. Alors ça va comme ça, excusez-moi. On fait. Et c'est pas du tout cette pièce là, c'est celle-ci. C'est la slope de base, la pièce pentue de base, donc. Il faudrait que j'arrête de parler en anglais, ce n'est pas une bonne idée. À faire, si je dois faire des vidéos en anglais, autant qu'elles le soient entièrement. Voilà, ici. Donc la couleur assez sympa, d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est exactement la même couleur que. Alors, comment il s'appelait le set, vous savez, l'espèce de. Le set alors que j'ai construit, qui est une sorte de Warthog, mais en version déchet, quoi. On vient placer aussi une pièce ici pour combler le trou. Ce qui semble assez logique. Et on fait la même chose de l'autre côté. Oui, forcément. On va être bigleux, quoi. Et donc on a nos papates. Ou presque en tous les cas. Vu qu'on va ensuite retourner. Et mettre du gris maintenant. Voilà, pour avoir la pâte complète. Pareil de l'autre côté. Enfin, sur l'autre, je devrais dire plutôt. Comme ceci. Voilà. Et donc, on vient placer ensuite ces petites pièces. Et par petites, je veux dire énormes. Bien entendu. J'ai pris les deux mêmes. Donc, on va faire les deux pâtes en même temps. Oui, d'accord, c'est pas du tout ça qu'il faut que je prenne, en fait, c'est plutôt celle-ci. Et donc, on a des pieds qui ont une forme super sympa, quand même. Hein. C'est pas dégueu du tout, quoi. Donc, on vient prendre ensuite ces pièces intermédiaires-là, sur lesquelles on vient placer deux petites pièces dorées, comme ceci, des tiles. Et je suppose qu'on va ensuite... voilà, on les enfonce comme ceci. C'est bien résistant et tout, c'est assez cool. Donc on prend la même chose, on recommence de la même manière donc. Voilà, donc on a nos papates. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, apparemment il y aurait un petit souci d'après ce que j'ai entendu au niveau des 7 Megablocks, enfin de celui-ci en tous les cas, il y aurait un problème de construction. Alors je n'ai pas vu d'addendum, enfin, vous voyez le petit papier en général qui dit « on a fait une erreur, vérifiez s'il vous plaît ». Donc je ne sais pas si c'est le cas, mais j'espère que je n'aurai pas de soucis parce qu'apparemment, il paraîtrait que le set est inconstructible. Donc on verra bien, mais... Alors, on vient prendre ces petites bestioles-là. Des pièces avec des trous pour tenon de chaque côté, ce qui est un peu bizarre, je dois admettre. Et par un peu, je veux dire beaucoup. Surtout quand j'en ai qu'une et qu'il m'en faut deux. Ah bah oui, forcément, elle est juste dans mes yeux. Ça semble logique, hein. Vous auriez pu me le dire. Hop. Hop. Et on enfonce les petites pièces qu'on avait. Donc je suppose que c'est pour renforcer la connexion. Alors, attendez, je peux pas l'enfoncer. Hein. Non, non. Bon, bah avec mon doigt alors. Hein.
voyez, je me fais mal aux doigts pour vous. Hein. Donc on a ceci. Et donc on vient assembler les deux jambes. Hop là. Ah oui, putain, c'est bien, bien serré, quoi. Donc on a ceci. Alors ensuite, on construit le torse, bien sûr. Ben, en même temps, c'est la seule chose qui reste. Tiens, d'ailleurs, un petit rocher qui apparaissait dans les dragons à l'époque. Je crois que c'était Fire and Ice qui sont... non, Crystal Wars. Ou peut-être les premiers, je ne sais plus si c'était la première vague ou si c'était Crystal Wars. Alors, deux comme ça. Trois avec les tenons sur les deux côtés. Deux pièces coin. Deux grandes tiles et deux petites tiles. Je crois. Voilà, c'est ça. Et donc, on va... Alors, oh là, Donc, on va prendre ceci. Alors, je préfère les mettre dans le bon sens, même s'il n'y a pas vraiment de sens. Ceci. On reprend une comme ça. On fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on fait ça. Ça. Ouais, je vois ce que... Je vois où ils veulent en venir. Je vois où ils veulent en venir et je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Comme ça. Ces pièces de Snot sont vraiment utiles. Il faudrait vraiment que Lego pense à en faire une un jour de ce style-là, parce que, à mon avis, il y a de quoi faire des bons petits assemblages de malades. Même s'il y a de toute manière moyen de contourner le problème, mais c'est vrai que des pièces de ce style-là seraient assez utiles, je pense. Donc on place une comme ceci. Encore une pièce de Snot derrière, mais cette fois-ci à angle 90 degrés. Donc une pièce plus classique. Des grosses briques 1x4, des familles. Parce que nous, on n'aime pas les trucs de Tarlouse. Hop, hop, ça, ça va. Là, on prend ces petites briques pentues. Donc, on rajoute du gris, là. C'est, l'idée, c'est qu'on rajoute du gris, en gros. Ouais, non, mais je... Quand je disais que ce serait un petit peu la merde, je mentais pas, je crois. Hein. Alors, attendez, est-ce que j'ai mon décapsuleur de pièces, mais de chez Lego? Non, on va utiliser mes ongles. Pas mes dents tant qu'à faire. Elles sont déjà bien assez comme ça. Allez. Bon bah si les dents. Hein. Donc oui, c'était comme ça en fait. C'est ici le snot et de l'autre côté là. Donc, je fais encore n'importe quoi. Je sais que ça vous fait plaisir. Vous êtes doré quand je fais n'importe quoi. Donc on fait ça. Ça on enfonce ici. Donc pour avoir tout à niveau. Et là on va placer deux petites plates. Pour mettre à niveau aussi. Hop. Et hop. Donc on a ceci. Et c'est plus petit que ce que je pensais d'ailleurs. Donc on vient ensuite prendre... Enfin, je parle peut-être un peu trop vite parce que là on est en train de justement agrandir la structure. Donc des 2x3. Ouais. Oui, non, elle est compliquée cette pièce. Alors on prend une... 1x6, bon ça c'est pas dur hein, bien sûr, c'est surtout celle qui apparaît après, donc ça doit être, c'est une pièce très spéciale, voilà, donc forcément ça doit être celle-ci, et vous voyez qu'en fait c'est une 2x4, mais au-dessus c'est une 2x3 en fait, parce que c'est étrange, bon, je suppose que ça doit être utile, mais c'est vrai que ça fait un peu, donc on vient la placer, alors, on vient déjà prendre des pentues inversées qu'on fout ici, voilà, et on vient la placer ici, donc. Et donc ça donne ceci. Je suppose que ce sera utile ensuite pour la forme du visage. Mais bon, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Vous me direz, vaut mieux être surpris, hein, mais bon. Surtout qu'en plus, passer en mode impair alors que justement on va devoir placer ça au-dessus, ça me fait un peu... Moi je sais pas, j'ai un peu mal à comprendre. À moins qu'on le place. Oh ouais, on verra. Hein. Je vais pas perdre de temps, je vais plutôt continuer. Mais c'est aussi ce genre de réflexion qui vous fait apprécier les vidéos que je fais, du moins j'espère. Parce que si on ne réfléchit pas, c'est pas bien. Oui, logique. Mais ouais, je pense que c'est intéressant. Ah oui, alors ça c'est très con par contre, hein. Je suis désolé, mais. Très très con hein. Ce genre de construction qui quand on fait
Ouais, bien sûr, maintenant ça marche pas, hein. Allez, va te faire mettre. Excusez mon langage vulgaire. On va plutôt continuer sans perdre de temps. Et je suis perdu, c'est pas grave. Alors, on prend des pièces on ne peut plus normal, hop. Et on fait de l'assemblage on ne peut plus normal, hop. J'ai l'impression que je me répète. On vient placer ensuite des grosses pentues. C'est un peu bizarre comme assemblage quand même. En plus, avec tout ce gris, on a tendance à pas voir grand chose. Comment ça, j'arrête de me plaindre? Non, jamais. Ceci dit, on a tout mis à niveau là. Et justement, on a tout mis à niveau pour pouvoir refermer au-dessus. Et donc j'espère stabiliser l'ensemble, même si j'ai mes doutes. J'ai mes doutes et j'avais raison d'ailleurs. Ah oui d'accord, mais en fait j'ai rien compris quoi. En fait là ce que j'étais en train de construire, cette partie-là c'est l'arrière et ça c'est l'avant quoi. Donc oui en effet j'avais absolument rien compris à la vie quoi. Vu que on va... Alors, on va prendre une pièce dorée ici, une pièce grise ici, on va foutre ça là-dedans. Au-dessus, on prend ceci, plus les pièces de snot ici. Et donc, alors oui, d'ailleurs, j'ai oublié, bon, ça c'est pas très grave vu qu'elles apparaissent pas encore, mais j'ai oublié de prendre les deux petites cornes. Voilà, comme ça, elles seront juste au... Alors ensuite... Donc mini assemblage, en gros on va prendre ces pièces là sur lesquelles on va prendre alors ceci, alors c'est pas facile parce que c'est pas symétrique, tac, ici une tile, excusez-moi, non, hop, ici une plate, ici une autre tile et ici une autre plate. Et je suppose qu'on va faire le symétrique. Donc on prend ça, 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 ça. Donc, plate, plate, et til, et donc til, si je le trouve, ouais, ici. Ici. Et donc ça, je suppose que c'est pour les oreilles. Et c'est gagné. Alors attendez, que je me gourre pas. Les plates, elles vont de ce côté-là. Et donc on a quelque chose qui prend de la, enfin, de la hauteur du volume, j'aurais dire. Oh, j'aime beaucoup cette pièce toute faite. Moi qui m'attendais à ce que ce soit trois pièces différentes. Ça change pas grand-chose, mais on enfonce ces petits bitonios ici. Pour que ce soit plus solide, je suppose. Et on enfonce ça, j'allais dire au maximum, mais absolument pas, vu qu'on n'a pas la possibilité. Alors, attendez, parce que ils sont bien gentils, mais ils nous montrent la moitié de ce qu'on peut faire. Donc, hop, on met ça là. Et ça, ensuite, on le met dessus, comme ceci. Donc, ça doit être les commandes, je suppose. Même si elles sont un petit peu écartées, quand même. Et un petit peu moche aussi. Donc on a ceci. Donc ça on pose pour le moment et on va construire l'ensemble secondaire qui va être sûrement la face. Pour vous donner une idée du reste des pièces. Voilà. En espérant qu'on va pas arriver au point où ce n'est plus assemblable. Peut-être que Megablock a résolu le problème entre temps. Hein, mais attendez, il me faut ça, ça. Ça et des coins. Donc, on fait. on se croirait dans Tetris. Attendez, alors on a ça. On a ça. On fait ça. J'ai pas l'habitude de construire mes assemblages comme ça, mais là c'est vraiment utile, je pense. Est-ce qu'il faut faire la même chose de l'autre côté? Ouais, il faut faire la même chose de l'autre côté, alors attendez. On va le faire plutôt. Ouais, on va le faire comme ça. Alors, on a ça. Euh...
Ouais, non. Je vais y arriver. On a ça, voilà, c'est ça. Est-ce que vous sentez que mon cerveau tourne au ralenti? Parce que moi, je le sens. Ouais, j'ai compris. Oh oui. Et je ne me suis pas gouré. Je suis trop fort, je crois. Ouais, purée. C'est trop la classe. Sur le côté, apparemment, vu qu'on va construire encore un sous-assemblage. On prend des petites plates. J'ai dit des petites plates. C'est très intéressant tout ça. Hop, on va mettre ça là. On va prendre des détails avec ceci et ces petites pièces qui représentent un petit peu la même chose que ce que fait Lego, mais en plus court. Vu que Lego en général c'était du 3x1, tandis que là c'est du 2x1. Donc ça aussi on laisse sur le côté, dégage. Alors, tac. Ah bah tenez, c'est l'inverse de ce que fait Lego. Lego c'est 2 puis 1 et là c'est 2 puis 1 en fait, c'est dans l'autre sens. Et c'est très moche d'ailleurs. Mais ça utilise moins de plastique, donc ça aide je suppose. Tac. D'accord. Où est-ce qu'elle est la pièce? Je jure qu'elle va être tellement évidente que... Ah bah oui, mais forcément, je me suis trompé, j'ai pas pris. Ouais, d'accord. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Une comme ça. Une comme ça. Et c'est tout. Donc, on fait comment? On fait ça. Ça, normal. On va faire comme ça. Tac. Tac. Hop. Donc ça, c'est un petit peu surélevé, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi. Comme vous pouvez le voir là. Et ensuite, on fait comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et donc, on a enfin nos quatre morceaux d'assemblage. Donc on fait ça. Comme ça. Comme ça. Donc on a une partie ouverte avec un trou au milieu. Là, par contre, ouais, je préfère quand ça s'enfonce correctement. Ensuite, on prend des pièces comme ça, qu'on vient placer de cette manière-là. Oui, d'accord, elle est là. On prend ces petites pièces que vous connaissez peut-être si vous connaissez Mega Bloks, les espèces de petits cônes avec un petit détail dessus. Ensuite, on met ça comme ceci. Et on fait bien sûr la même chose de l'autre côté pour représenter des sortes de dents, je pense. Enfin non, je pense, je suis sûr même, hein. On rajoute des grosses sphères bleues pour faire des yeux. Et donc, on prend ceci. On vient le placer autour du lance-missile et on a notre tête de troll. Et qui n'a jamais eu envie d'avoir une super tête de troll, si ce n'est ben, ceux qui trollent. Hop, attendez, excusez-moi. Y a de la poussière qui se glisse, c'est très très dérangeant. Il y a de la poussière qui se glisse entre les pièces, c'est très chiant. Enfin, des poils plutôt. Donc, on vient replacer, comme je disais, ça là-dessus, qui tient que sur quatre tenons. Donc, c'est un peu pas très solide, quoi. Et donc, ensuite, vous vous souvenez. Cette partie qu'on a construite et les petits tenons, on vient enfoncer tout ça comme ceci. Donc, hop. Donc les hanches sont refermées et c'est normalement c'est là que ça foire, non, si je me souviens bien. Mais c'est quoi toutes ces pièces en plus là? Parce que normalement, si je dis pas de bêtises, là, il y a un assemblage en plus qui permet de relier les hanches au reste. Ok, donc on a fini, quoi, en gros, hein, il semblerait. On prend le missile et on vient le mettre dans le pif. Ça me semble bizarre, quand même. Attendez. J'ai l'impression de mettre Fernet et... Bon, bah écoutez, hein. Tout est bien qui finit bien, je suppose, avec 50 pièces en trop.
Hop. Donc on a aussi notre rocher, notre mouton. Enfin notre victime, je devrais dire plutôt, parce que bon, en gros c'est des victimes. On a notre troll, qui est une sorte d'archétype en gros hein, de figurine de type Spyro, étant donné qu'en fait vous avez donc l'articulation à l'épaule, qui est un ball joint, vous avez le pivot au niveau de la main, le ball joint au niveau de la jambe et le ball joint au niveau du talon, qu'est-ce que je raconte moi, de la cheville, et bien sûr la tête. D'ailleurs ça ferait un bon boomer, étant donné qu'il a à peu près cette tronche là normalement, si j'ai pas de bêtises. Minus les taches de peinture moche sur le pif. On va plutôt le mettre dans son véhicule, qui, si je me souviens bien, il est plus petit dans le jeu normalement, mais et je parle pas du troll, je parle du véhicule en l'occurrence. Bon, après on va pas se plaindre qu'un véhicule est trop grand, mais enfin j'en serais capable, ça c'est pas un problème. Donc on a notre troll qui est aux commandes du véhicule, que vous ne voyez pas car je suis totalement hors cadre et hors focus aussi. Alors, attendez, déjà je pense, voilà, que c'était fait pour être mis comme ça, contrairement à ce que le modèle prétend, pour pouvoir avoir donc les jambes qui sont bien correctement mises. Et donc on a notre troll, et bien entendu... une des grosses raisons pour laquelle j'ai pris le set, c'est parce qu'il contient notre ami le géant de la vie, Trirex. Donc, hop, qui est une figurine de géant, donc. Hein. Oui, vu que c'est le géant de la vie, c'est une figurine de géant, logique. Alors, attendez, je mets toutes les articulations correctement. Et donc, on a Trirex qui est vachement bien représenté. Alors attendez que je fasse un joli focus dessus pour vous donner un ordre d'idée par rapport à une 2x4 histoire de, donc, oh tenez, bah, j'ai Papy Castagne avec moi, donc on va en profiter hein. Hop. Donc elle fait la taille d'une, il me semble que niveau hauteur elle fait la même taille qu'un gros hunter là, vous savez les grosses figurines à l'eau aussi hein. Donc il est plutôt pas mal, et en plus il a son, vous savez, son espèce de gun là. Alors je l'ai pas entraîné parce que c'est pas spécialement, il est pas sympa, j'aime pas les géants de toute manière. Moi personnellement je joue des petites figurines, quand je joue, malheureusement je ne joue plus très souvent. Et donc ouais, même le détail sur le tronc à l'arrière est joli quoi, il rend vraiment bien et tout, chapeau quoi. Bon après il y a un petit peu de peinture dégueulasse, mais ça peut se nettoyer avec un petit scalpel, je le ferai. Et donc oui, ball joint, articulation au coude, pivot au niveau du poignet, ball joint plus pivot pour la jambe et ball joint pour la tête, donc il peut bouger un petit peu de haut en bas tout de même, ça c'est à noter parce que c'est assez sympa. Et ouais non, je suis plutôt content quoi. Alors il m'a coûté une vingtaine d'euros à peu près, il était disponible à mon Jouet Club, Village Jouet Club, vous savez, celui qui est à Paris. Ils avaient aussi le set de l'hélicoptère Archéon là, avec Spyro à l'intérieur, mais celui-là je l'aime pas spécialement, et en plus il coûtait 30 euros, donc bon. Hop. Alors par contre oui, j'aimerais bien que... Forcément, quand c'est bien attaché, c'est mieux, voilà. Mais il représente bien le véhicule troll. Alors, comme je disais, il est un petit peu trop grand, je pense. Mais il représente bien le véhicule. Bon, il faut dire aussi que le géant devrait faire à peu près cette taille-là, normalement, hein, il me semble. Il est vraiment beaucoup plus grand qu'une figurine normale, hein, enfin, dans le jeu, en tout cas. Enfin, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a duré plus longtemps que prévu. Et c'est encore hors focus. Voilà, merci. Et donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.